Le mec est détendu, il est à la maison, quoi. Elles ont l'air un peu flippées, quand même. C'est très militaire. C'est beau, ça. Rien que la mise en place est magnifique. Together we found differences. Together we are bolder, merci. Braver, stronger. Si toi, ça te fait plaisir de revenir sur ce plateau, nous, ça nous fait toujours plaisir de te revoir. Tu as l'art de te renouveler. Bravo pour ton travail. Bravo pour vous aussi, merci. Votre travail. Il y a une chose qui me frappe, c'est la force du nombre, tout simplement. Parce que je me dis, en vous regardant, on ne peut pas faire des choses immense quand on est tout seul. Même derrière un artiste solo, il y a toujours une équipe. Il faut le savoir. Je crois à la force du nombre, je crois aux équipes et je pense que pour changer le monde, il faudra qu'on soit nombreux. Alors toi, tu es en train de changer un petit bout du monde à ta manière avec toute cette équipe-là et nous, on se régale vraiment. J'adore. Merci, merci Hélène, merci. Sadek, tu ne te rends pas compte à quel point tes images sont fortes et je pense à Béjart qui avait fait messe pour un temps présent, même le boléro de Ravel avec Georges Donne. Des images fortes que j'avais quand j'étais petite, que je regardais à la télévision. Toi, c'est ce que tu es en train de proposer. C'est-à-dire que la proposition non seulement est parfaite, elle est nouvelle, elle est incroyablement moderne. C'est fou parce que j'ai déjà vu des images comme ça sur tes vidéos, sur les réseaux, mais de le voir en vrai, c'est une gifle. Wow. Je voulais juste dire que c'était vraiment parfait. La synchro était énorme. Et chaque fois que tu viens ici, c'est pas seulement que tu nous donnes une chorégraphie, mais il y a aussi de l'émotion que toute la salle ressent. Et on le ressent ici, tout le temps, à chaque fois. Et tu as ce talent de leadership. On le voit, que les gens derrière toi te regardent et te suivent et te font confiance. Et ça, c'est grand. C'est grand comme talent. Donc, merci encore d'être là ce soir. Merci. Merci. Je voulais juste dire, s'il y en a un qui attrape la COVID, hein, vous êtes mal foutu dans ce groupe. Merci, merci beaucoup. Merci.
Ça va, t'as passé des moments plus difficiles dans la vie, hein? Oh, ça va. Écoute, ce que j'ai trouvé très intéressant, que j'avais jamais vu en danse, c'est que t'es devenu un chef d'orchestre. C'est-à-dire que normalement, le chorégraphe n'est pas sur scène. Et là, on avait une vraie image de chef d'orchestre. Il y a une révolution dans ta pensée. Tu es en train de marquer quelque chose. Tu as créé un genre qui va marquer la danse. Et ça, il y a peu de chorégraphes qui l'ont. Je pense que tout ce que tu vas vivre après, il va y avoir des choses qui vont t'étonner toi-même. Tu es en rupture, en fait. Il y a une vraie rupture. Je ne sais pas si je peux te faire encore plus de compliments. T'es le mec qui connaît le mieux cette émission, mis à part nous quatre. Voilà. Et un jour, peut-être que tu seras dans le juré, comme Kamel l'a été. Mais bien sûr qu'il y sera. Voilà. Mais bien sûr. Voilà. Bravo. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Je déteste les compliments. Et là, j'ai pris... claque sur claque. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. On va te donner les votes qui vont être très difficiles. C'est un énorme, gigantesque oui. Vraiment content de te voir aujourd'hui. Vraiment. Merci, Eric. Bravo. Eh bien, moi, je suis désolée. Les gens qui s'accrochent et qui reviennent sans arrêt, ça va 2 minutes. Donc, c'est oui. Moi, je pense que, tu sais, on t'a déjà vu ici 3 fois. Donc, on devrait donner la chance à quelqu'un d'autre d'aller en demi-finale. C'est pour ça que je vous envoie directement en finale. Merci Sam. On se retrouve en finale.